Bonjour, bonsoir les amis, c'est Marius, on se retrouve sur Evoland, un jeu indépendant qui reprend l'histoire du jeu vidéo dans un gameplay assez sympathique, donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais lancer mon petit chrono, et comme je pense que ce jeu n'est pas super long, j'ai décidé de faire des épisodes d'une durée de 8 à 10 minutes à peu près, pour garder à peu près les gens. Donc là vous allez voir, le gameplay est assez spécial. Donc en bas vous avez donc des petits textes qui seront très souvent écrits. Et mon objectif c'est de récupérer ces coffres que vous voyez. Et chaque coffre va me permettre d'aller, enfin d'obtenir de nouveaux, comment dire, de nouveaux skills. Par exemple là je ne peux que aller de droite à gauche. Je ne peux pas monter ni descendre. Avec celui-là, maintenant j'ai un mouvement 2D. Ça reste un peu limité. Le scrolling. Ah, ça fait plaisir, ça nous rappelle des bons vieux Zelda sur Game Boy Advance. Même Game Boy Color, il se t'avera comme ça. Me semble. Et dans ces couleurs-là, là, ça m'appelle vraiment ceux de la Game Boy. La toute première Game Boy, c'était avant la Color. On pouvait régler sur le côté, tout ça. Ah, un scrolling homogène, déjà. Ok. A savoir que le jeu, j'y ai déjà joué deux fois. L'épée de Zelda. Enfin, l'épée de Lynx. Dans le jeu Zelda. Donc je disais, oui, le jeu, j'y ai déjà joué plusieurs fois. Parce que j'ai essayé de lancer le record plusieurs fois. Je me suis retrouvé avec des fois où j'ai avancé près de 10 minutes, voire ouais, même plus de 10 minutes de jeu. Sans avoir record en fait. Sans le vouloir. Tiens, les étoiles. Là, il y a un coffre ici. Parce que j'avais record, mais que j'avais pas record le son de mon micro. Ou une fois, j'avais fait 3 minutes avec record, mais sans avoir record le son du jeu. Bref, plein de soucis avec Frappe, je sais pas pourquoi il s'était déconfiguré. Donc là, j'espère que ça va bien fonctionner. En 10 minutes, je peux vous dire qu'on avance quand même pas mal dans le jeu. Voilà. Donc il faut pas que je touche les monstres, il faut savoir que si un monstre me touche ne serait-ce qu'une fois, je meurs directement. Parce que je n'ai pas encore... la musique elle est sympa. Premier top 50. À savoir que oui, je n'ai pas de vie encore. Donc ça c'est le point de sauvegarde. Ah, et ça pique déjà un peu moins les yeux. J'aime beaucoup ces effets là, de pixels qui sont... Attendez deux secondes, je vous reprends. Excusez-moi, petite interruption IRL. Ah bah du coup je suis mort, voilà, vous voyez, j'ai été touché par un bot, du coup je suis mort. Et je reprends ici. Voilà, on va reprendre ça vite fait, hein. C'est pas très compliqué jusque là. Voilà. Donc je disais, j'aime beaucoup ces effets de pixels qui volent comme ça, c'est très sympathique. Tac tac tac. Il me semble qu'il y a des trucs par là-bas d'abord. Allons-y. Allez. Ouais, une étoile. Et là, il me semble qu'il y a une carte. Je serai pour jouer au Double Twin. Je sais pas du tout ce que c'est encore le Double Twin. Ça doit être un jeu de cartes dans un niveau genre Easter Eggs. Bah, y'a rien. Bon, y'a rien. Juste cette magnifique animation. Tac. Alors, les chauves-souris sont les ennemis les plus relous à battre au moment dans le jeu. Parce qu'elles volent vraiment dans tous les sens. C'est vraiment pas pratique. Alors que nous, on a un déplacement très, très carré en fait. Pas aller en diagonale, tout ça. Du moins pas pour le moment. Je fais beaucoup d'aller-retour, vous me direz, mais je check en fait à chaque fois si s'il n'y a pas des coffres. Si jamais. Ah tiens, voici le scénario. Et Volandia. Une originalité stupéfiante. Je suis tout à fait d'accord. Ah tiens, celui-là je l'ai pas vu encore. Il me
il me semble. Ah, celle-là, je l'ai eu. Celle-là, je l'avais pas trouvée. Hein. Donc, toutes les autres fois où j'ai fait des records, je l'avais pas trouvé celle-là. Oh, mais sérieusement? Flûte. Je fais n'importe quoi, sérieusement. Je meurs comme ça. Allez. Oui, c'est un super scénario. Magique, le scénario. Magique. Allez, on se dépêche. Va mourir. Ah là, déjà on commence à parler de la couleur. Ah là. Tiens, des panneaux. Parfait. Ouais, les oiseaux ont agile. Ok. Toujours ce petit effet pixelisé. Ça, j'ai bloqué par une pierre dimensionnelle. Ok. Ah, là, j'ai des mouvements libres. Et là, ça commence à devenir plaisant. Allez. Ah, j'ai été lent cette fois, n'empêche. J'avais bien plus avancé la dernière fois. Donc ça, ce sont des monstres avec un bouclier. Donc les attaquer par devant, ça ne sert à rien. Faut les remettre soit un coup dans le dos, soit un coup dans le flanc. Ok, merci. Ah, c'est cadeau. On va savoir que moi je joue au pad. Donc moi ça touche Y. La carte monde. Ah, battle tour par tour. Un nouveau style de combat. Maintenant c'est un style vraiment RPG. Allez hop, je fais ça un peu vite, hein. Regardez les objets, mais j'ai une potion, ça sert à rien pour le moment. Je pense que je peux m'en sortir cette potion. Voilà. Et je ne sais pas à quoi servent les glisses, mettre une sorte de monnaie dans le jeu. Il n'y a rien sur les côtés. Merde, des années 1920. Il mute. Je le trouve mignon lui. Allez. Il m'attaque tous les deux tours, parce que j'ai compris. Je trouve assez chelou ce mode de vision. Mais vraiment, je suis vraiment pas fan. Nom des lieux, presque aussi que Google Maps. Donc là, nous sommes dans la prairie. Allez. Allez. Hop là, lui c'est fait. Hop, hop, là, lui aussi. Allez, réveille-toi. Je vais peut-être se garder avant. Tac, tac, tac. Alors, il y a un coffre qui s'est ouvert. Lequel? Ah, lui! Ah, voilà. Donc voilà, on se retrouve ici au village. Moi, je vais donc couper l'enregistrement ici. Cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo si ça vous a plu, et puis de commenter, hein. Savoir que pour le moment c'est vraiment le début du jeu, donc visuellement c'est pas encore le top du top, mais ça va s'améliorer. Le gameplay va évoluer beaucoup, hein, puisque c'est le concept du jeu, hein, l'évolution du jeu vidéo. Et puis c'est tout pour moi, donc ciao, à la prochaine les amis.